Oh my god, Dezo! Oh my god! Oh! 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 Yo les gars, c'est Dezo, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo aujourd'hui, comme vous allez pas voir. Donc ça va être une vidéo sur Call of Duty Ghost, ça va être un cut commentary. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on peut attendre longtemps. Mais bon, c'est Strike Zone aussi, je vais pas quitter ça, Strike Zone quand même. Oh, on attend encore 30 secondes, allez. Allez. Un joueur, un. Deux joueurs maintenant, alléluia, bon allez, adios. Yes, fight, nickel. Avant que la vidéo commence, vous aimez mon t-shirt? Pas mal, hein. Vous avez vraiment l'air d'avoir apprécié ce FaceTage, donc je vais en faire plus souvent les gars, ça je peux vous le garantir. Je devais vous l'uploader il y a quoi, il y a 4 jours normalement, il y a 5 jours. Mais bon, j'ai eu des problèmes d'internet étant donné que le fichier faisait 4 Go, j'ai eu plein de soucis d'upload, à chaque fois ça bloquait au traitement de la vidéo. Donc c'était pas forcément des trucs très cool, mais bon, j'ai réussi à l'upload la vidéo après 24 heures d'upload. Vous vous doutez bien que c'est long, j'ai pas une co exceptionnelle au Canada, je suis un peu perdu ici, dans un trou un peu perdu quoi, on est un peu dans, comment on peut dire, dans le trou du cul du monde. Oh, prends ça toi. J'avais envie de vous poser une question et de savoir si vous serez intéressé, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire le ALS Ice Bucket Challenge. Donc je voulais savoir si vous, ça vous intéresserait que je le fasse. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ALS est une maladie cérébrale, c'est un cancer cérébral et on peut absolument rien y faire. Donc on essaie, les gens en général essaient de passer le message en faisant ce challenge et pour qu'il y ait plus de donations et de choses comme ça. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose de sympa. Dites-moi si vous voulez voir des os se balancer un seau d'eau glacée sur la tête avec des glaçons. Dites-le moi les gars. J'avais aussi envie de vous remercier pour les 6200 abonnés. C'est juste incroyable. Votre support ces derniers temps était juste incroyable. Donc merci à vous les gars. Ça fait juste tellement plaisir. Ça donne envie de faire des vidéos. La motivation est là les gars. Vraiment je vous garantis que la motivation est là. L'internet n'est pas encore là. Ah il a pas pris. J'aurais pu avoir une quad feed avec le wallbang final. Je savais qu'il était là-bas. C'est peut-être une quad feed faded. Peut-être. Oh. Wouah. Mon gars ils arrivaient tous. Ah oh, fuck, pourquoi? Oh, oh là là, l'opportunité de feed. Oh là 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 là, les gars, ce que je viens de rater. Oh, c'est... oh ils étaient tous là-bas en plus. Putain, nique sa mère. Ah, j'ai raté quelque chose d'assez gros là. Ma motivation pour faire des vidéos est toujours là, elle est vraiment à fond les gars. C'est pas parce que j'ai sorti pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'ai sorti quoi, 3 vidéos cette semaine alors que j'en sors plus d'habitude. Pas un problème de motivation par rapport aux vidéos YouTube. C'est vraiment un problème de motivation par rapport à Call of. Ça devient chiant de jouer à Call of, Ghost, Black Ops 2. Ça devient assez lourd, donc là j'ai envie de me jouer à MW3. Malheureusement mon MW3 est rayé. Donc bah va falloir que j'en rachète un. Ouais voilà, bah écoutez, c'est un peu le problème de motivation de jouer à Call of. Il y a plein d'autres choses à faire maintenant, c'est l'été, autant profiter. Mais je vous promets que je resterai à une vidéo tous les 3 jours au max ou une vidéo tous les 2 jours, ça dépend vraiment. J'essaie quand même de rester à 3 vidéos par semaine parce qu'ensuite moi c'est pas cool. J'aime vraiment faire des vidéos pour vous, je prends plaisir de dingue à les faire. C'est juste que le jeu suit pas trop après, donc écoutez. Bon attends, je suis pas trop mal, 17-10 ça va quoi. Bon, c'est pas exceptionnel mais ça va. Je vais pas tarder non plus à rentrer en Suisse les gars, parce qu'on est quoi déjà, on est le 21 juillet, putain les gars je suis un peu décalé. On est le 21 août aujourd'hui, donc je vous enverrai la vidéo demain le 22 août. Je rentre en Suisse, je pars d'ici le 28, ce qui me fait arriver le 29 au matin parce qu'il y a 7h30 d'avion. Donc je pars le soir tard, j'arrive le matin vers 10h en Suisse. Donc bah écoutez, vers le... enfin le 29, pas vers mais... oula. Oh, collade de chien. Collade de chien quoi. Oh, première fois que je vois ça quoi, énorme. Donc je serai de retour le 29 chez moi et je reprends le 1er septembre. Donc les vacances sont bientôt finies, il reste pas longtemps. C'est dommage les gars. Donc j'aimerais savoir comment vos vacances se sont passées. Vous êtes allés où? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais. Je serais vraiment intéressé à savoir ce que vous avez fait pendant ces vacances. À part geeker parce que voilà, c'est tout ce que c'est un peu ce que beaucoup de gens ont fait. J'ai pas beaucoup geeké moi perso pendant ces vacances, j'étais beaucoup plus dehors. J'ai pas vraiment beaucoup touché à l'Xbox, c'est pour ça que j'étais pas très actif niveau des vidéos. Mais bon, écoutez, je peux pas, je suis pas surhumain non plus, j'aime bien profiter d'être dehors, faire des choses en été. Ok écoutez, c'est comme ça. Donc si vous voulez savoir plus de choses sur qu'est-ce que je fais, n'hésitez pas à me follow sur Twitter d'ailleurs, parce que je dis vraiment absolument tout là-bas. Les gens ils se marrent des fois avec mes tweets parce que je fais un peu des tweets merdiques le soir. Mais bon voilà, écoutez les gars, n'hésitez pas à me follow, ça fait toujours super plaisir. Oh mon gars il fait tellement chaud. J'ai besoin de mettre un petit clip à l'USR là parce que je joue tellement peu. Je joue même pas. Je pense que je suis entre 30 minutes et 1 heure par jour ces derniers temps sur code, pour vous dire, enfin à jouer en tout cas. Depuis le début des vacances, je dois même pas être à 1 heure par jour. J'ai vraiment tellement peu joué, vous vous rendez pas compte les gars. Oh non! Si seulement mon verrou était allé plus vite quoi, j'aurais pu avoir les gars en headshot sans souci. J'aurais pu avoir une triple feed headshot, voire la quad feed headshot. Oh GG mon gars! Quad feed. Oh! Le mec il a une putain de quad feed kill cam avec sa putain de mitraille, pas mal. Donc comme je vous ai dit avant, je reprends le 1er septembre. Et vous les gars, vous reprenez quand? Parce que j'aimerais vraiment savoir en France comment c'est, en Belgique, je sais pas, au Canada, parce que voilà, écoutez, vous êtes un peu partout dans le monde les gars, hein, vous êtes pas tous en France, pas tous en Suisse.
Ah, pourquoi tu... Ah, quoi, tu es de broken screen? Fuck! Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Donc sur ce, les gars, ben, c'était Deso. Allez, bye tout le monde!